cette lutte a duré 50 ans, mais les dernières 10 années de cette lutte, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui fait que cette lutte elle est connue partout dans le monde. C'était que on était contre un aéroport, on était contre la destruction du bocage, et on résistait en disant non, vous n'allez pas construire votre projet climaticide, et oui, chaque fois que vous venez détruire notre cabane, mais aussi comme forme de résistance, on va construire. On va toujours construire, on va construire des nouvelles formes de vie, des nouvelles formes de s'organiser ensemble, des nouvelles formes de faire l'agriculture, des nouvelles formes de faire la culture, de faire l'artisanat. On va créer un nouveau monde dans le présent en résistant. L'abandon du projet de construction d'aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Et puis à un moment donné, il faut que la force légitime rentre en action. Il faut refuser l'installation d'une contre-société utopique, même si elle peut avoir des côtés sympathiques. Et en fait, on n'a pas sauvé ce bocage pour ouvrir la porte à une autre machine destructive du capitalisme. Et donc, on va rester et on va continuer à construire des autres formes de vie qui ont du sens dans ce moment d'effondrement et de crise sociale et écologique. Pratiquer les communs comme on essaye de le faire et comme on apprend à le faire sur la ZAD, c'est vraiment la prise en charge collective d'un territoire, d'en prendre soin, de le défendre. Et donc, c'est imaginer toutes les activités en lien les unes avec les autres pour faire du territoire, territoire véritablement vivant. Donc, c'est par exemple imaginer des activités agricoles ou forestières comme étant la base de chantiers collectifs. Les chantiers de bûcheronnage sont à chaque fois des chantiers écoles où le choix des arbres a été vu collectivement pour un tas de critères qui ne sont pas que les critères de production de bois. On l'a accompagné vers une futaie régulière. Que habiter un territoire pour nous, c'est pouvoir être en relation avec les différents mondes vivants qu'il y a dessus et dont le bois fait partie dans le bocage. Toute la question d'ici, pour nous, de la mise en commun, c'est une question que c'est ce qui se pense sur les plusieurs générations. La forêt, elle nous ramène à ça de toute façon, c'est que ce qu'on fait là, on n'en verra certainement pas les conséquences de notre vie. Le pari sur les 100 prochaines années, il se tiendra ensemble et avec les générations futures. C'est une zone qui est riche écologiquement, qui est riche de par ses mares, de par ses cours d'eau. Et du coup, plutôt que d'essayer de changer la terre, c'est d'essayer de changer les pratiques pour qu'elles soient compatibles avec les terres qu'on a ici. Et ici, c'est des choses qui sont possibles. C'est possible de s'échanger du matériel, de travailler ensemble, d'avancer techniquement ensemble, d'avoir des coups de main sur plein de thèmes différents, et du coup ça veut dire que les coups durs sont pas assumés tout seuls. Ce qu'on vise ici, c'est pas du tout l'autarcie, et en fait on est inscrit dans un territoire, comme le mouvement l'était. On est lié aux paysans du coin, aux voisins, et aussi à beaucoup de gens qui viennent de plus loin, qui passent ici. Il y a énormément de moments de rencontre, que ce soit lors d'événements ou dans les formations, qui sont ouvertes à tous et qui sont l'occasion de partager des savoir-faire. L'idée, c'est de réussir à avoir suffisamment de production pour pouvoir se la partager entre nous et pour pouvoir l'offrir sur d'autres réseaux de résistance, d'autres réseaux de lutte. Aujourd'hui, on est venu à la marche pour le climat avec deux tracteurs. On est venu avec notre carriole, avec le jus de pomme, de la ZAD. C'est ce que fait par exemple la cagette des terres. Beaucoup, c'est de pouvoir déjà alimenter d'autres luttes avec le matériel logistique qu'on a.
et aussi de pouvoir alimenter les piquets de grève, les gros événements comme la marche pour le climat aujourd'hui. C'est une forme de soutenir des luttes, mais il y en a d'autres aussi à l'ambassade. L'ambassade, c'est un lieu qui accueille et organise des rencontres et des événements toute l'année pour lier les luttes. Il y a des rencontres sur différents sujets, l'éco-habitat, la forêt, l'accueil des migrants. Des activités culturelles et artisanales et agricoles sur le même territoire. Donc on essaye vraiment de remettre en lien dans une logique d'entraide et de solidarité. Donc ça n'est pas du tout un territoire fermé sur lui-même, mais bien très ouvert sur le monde, mais qui soit véritablement pris en charge par celles et ceux qui y habitent et qui en ont l'usage. Pour pouvoir ancrer la pratique des communs ici, sur ce territoire, on s'est dit que le fonds de dotation, c'était le meilleur outil, parce que ça veut dire que ça devient la propriété collective du mouvement qui a sauvé ses terres et ses bâtis. Alors le fonds de dotation, c'est un outil juridique qui permet de lever des fonds dans l'objectif d'acquérir les terres et les bâtis. En propriété collective, sans part, sans action, sans dividende et donc sans possibilité de gestion spéculative. Les biens acquis sont confiés à usage à des collectifs qui s'engagent sur le soin au bocage et le développement des pratiques qui préservent la cohabitation avec le vivant à travers des relations solidaires et d'entraide. On a besoin de tout le monde dans cette affaire-là, de tous les gens qui se sentent concernés par le projet de pérennisation de la ZAD. Et on a besoin de soutien pour pérenniser l'expérience qui s'invente ici. Mmh.